moi ça. J'arrive. Allez, bravo! Allez, la bébé.
Bah oui. Vous allez la voir. Ouais. Lona Gondon, Elodie Massien, Rien est dans la grande partie départementale 2024. Il va falloir mettre les couronnes sur les bonnes têtes. Et pour le moment, un mec qui se tient la corde pour le titre féminin,
Merci. Oui, on va s'en repasser là. Finalement, peut-être partir son empreinte une nouvelle fois en remportant la course. Elle avait été toute très vite championne départementale l'an dernier derrière Sergette Alors, on va remédier à ça, Allez, Vanessa, allez, courage. Allez, courage, Vanessa. Dernière boucle. Là, Vanessa. Là. Allez, Vanessa, dernière boucle. Allez, souffle. Allez, c'est bien, allez. Mais oui, on t'attend, Et l'arrivée de Virginie Barbi qui prolonge la deuxième place et qui s'offre le titre chez les Pasteurs. Et elle est là également, elle est là, Léonie Bastien, sous les couleurs de l'OVA, elle qui a goûté plusieurs fois à des titres aux inter de cross-cours. Elle est toujours présente, mesdames et messieurs, la troisième place d'Élodie Bastien. Et Léonie Gandon également, qui en termine quatrième place pour son premier cross, Léonie Gandon. C'est un peu plus court qu'un Ironman 70.3. Oui, c'est pas mal. On a le titre dans les trois catégories. Espoir, Master et Senior dans ce top 5, sans problème, Durant. Quel bel niveau. Et on a laissé dans le coup des prétendants, des filles qui ont l'habitude des podiums. Pour Agathe Yolo et pour Clarisse Picard, le cross au féminin en Vendée, ils se portent très très bien. Durant. Et la belle prestation effectivement de Lucie Léna, à qui va en terminer avec le maillot rouge de l'Athlé Bocage Vendée pour l'instant. Un maillot vert de l'Entente Sèvres, un maillot de l'ASV, pas de maillot vert encore malheureusement. Oh là là, j'ai voulu faire plaisir aux organisateurs, mais attends, on va pas raconter n'importe quoi. Allez, une autre chevrille, mais cette fois c'est Marine qui en termine. Bravo Marine. Et le maillot vert, vous l'avez, Yoann, avec Elodie Allez, Elodie Routio, qui aura quelques combattures pour la reprise demain à l'école. Bien évidemment. Et Mélanie Brun également, qui a fait la différence face à Sarah Thibault. À Sarah Thibault qui est présente également, et qui était dans le top 10 l'année dernière et qui va rentrer à nouveau dans le top 10. Prestation groupée avec nos filles de Saint-Jean-de-Mont. Elodie Gattard également qui a fait la différence face à une autre marathonienne, Dani Maché. Et derrière, tir groupé pour nos féminines de l'Entente Sèvres. Emilienne qui était à domicile, qui va pouvoir prendre sa douche à la maison et rentrer aussitôt. Revenir, pourquoi pas prendre la mer au bar. L'arrivée d'Anouk, Anouk Sir, bravo Anouk. Avec un coup de lit Anouk là. Et c'est vrai que ça a été long, Christian, ça a été long. Très très long, ces deux grandes boucles ont marqué les esprits et l'état physique. Mais quelle belle course de Amélie Chevrier. Allez, nous sommes à 15 minutes de Rennes de la finale de ce championnat départemental. Et oui, dernier départ avec les élites 1 à 0.